Présentation aujourd'hui à Liège des 13 lauréats du Grand Prix Wallon de l'entrepreneuriat. C'est la deuxième édition de cette initiative qui récompense quatre catégories d'entrepreneurs. Sur l'ensemble de la Wallonie, ce sont pas moins de 127 candidats qui prétendent au titre. ProdWeb est une agence internet située en région liégeoise. Chaque année depuis sa création, elle a doublé son chiffre d'affaires. C'est ce qui lui vaut aujourd'hui d'être nominée dans la catégorie entreprise en croissance, à côté de sociétés comme Mitra ou STX. Elle est active dans la création de sites internet et d'applications internet de tout type, mais aussi dans tous les services qui tournent autour du site internet, comme par exemple le référencement sur Google, le concept de vidéo sur internet, l'hébergement sur nos serveurs, etc. À côté de ces sociétés bien implantées, le Grand Prix Wallon met aussi en avant des jeunes entrepreneurs qui créent leur business. Les prix micro-entreprise et starter sont là pour eux. C'est le cas notamment de Jessica Grasso qui propose des conseils en gestion des ressources humaines. C'est une matière un peu complexe. Souvent, l'administration du salaire, les législations sociales, c'est des matières pas très sexy. Et moi, justement, j'essaie de les rendre claires. J'adapte mon langage aux personnes avec qui je parle. Et donc, ça permet une compréhension et je pense que ça amène une certaine curiosité de la matière. Ajoutez à cela une catégorie qui récompense ceux qui ont repris une entreprise existante pour la développer et vous obtenez 13 lauréats liégeois. Avec ce Grand Prix Wallon, l'agence de stimulation économique a voulu toucher tous les types d'entrepreneurs. Le premier objectif qu'on a eu, c'était de fédérer tout ce qui existait en région wallonne pour en faire un grand prix wallon, en faire une initiative globale qui soit lisible sur la totalité de la région. Le deuxième objectif, c'est évidemment essentiellement de mettre à l'honneur les entrepreneurs, de montrer qu'on entreprend en Wallonie, qu'il y a des très beaux projets. 127 entrepreneurs ont été sélectionnés dans toute la Wallonie. 12 recevront un prix. À Liège, la sélection a été effectuée par le GRÉ. Ça montre aussi qu'il y a dans la province de Liège des jeunes et parfois un peu des moins jeunes qui ont encore la volonté de créer de l'activité, même si beaucoup vivent dans un climat qui n'est pas tout à fait un bon climat économique aujourd'hui. Le choix risque d'être difficile. Le rendez-vous est donné le 25 mars pour connaître les gagnants.